Tu as perdu la tête à Quedo. De quoi est-ce que tu parles? Non, votre majesté. En fait, je pensais chaque mot que je viens de dire. Vraiment? Et pourquoi tu ne commences pas par me dire exactement ce que ta sœur a fait pour, 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 pour mériter ça? Elle a épousé mon mari. C'est exactement ce qu'elle a fait pour mériter ça. Ah, tu as perdu la tête. Non, Votre Majesté, je n'ai pas perdu la tête. Je veux simplement Ozundo hors de ce palais. Je ne veux pas qu'elle vive ici avec moi. Je veux qu'elle parte. Au cas où tu l'as oublié, jeune femme. La sœur est aussi une princesse dans ce palais. Et actuellement, je n'ai pas du tout le pouvoir de la faire partir. Eh bien, Votre Majesté, je suis navré, mais vous devez emprunter un peu de pouvoir. Empruntez les droits. Ajoutez-les aux vôtres. Et renvoyez-la de ce palais. Je me souviens encore que c'était. Oh oui, c'était mon idée. Oh oui, c'était mon idée de la dans ce palais. Mais maintenant, je veux qu'elle s'en aille. J'en ai plus que marre que tout le monde nous rabâche constamment que c'était mon idée. Renvoyez-la d'ici, c'est toujours mon idée. Akwedo, cela n'a absolument aucun sens. Je veux encore te poser la question, et ce pour une dernière fois. Qu'est-ce que ta sœur a fait pour mériter cette stupidité que tu es en train de faire là Elle a épousé mon mari. Vraiment Dois-je te rappeler que tu as essayé de te suicider juste pour parvenir non. à ta fin Non, votre majesté. J'ai essayé de me suicider parce que la reine et vous étiez décidés à faire de ma vie en enfer dans ce palais. Quoi Oui. Après m'avoir fait comprendre que j'étais incapable de vous donner un petit-fils. Du moins, pendant le laps de temps limité que vous étiez censé vivre, que voulez-vous que je fasse Et maintenant, quand j'y pense, je commence à me demander pourquoi vous n'êtes pas encore mort. Quoi Ne t'avise plus jamais de me parler comme ça, jeune femme. Je vais vous parler de la façon dont je veux. Quoi C'est incroyable. Aquedo, c'est bien toi. Maintenant, sors. Maintenant, hors de ma vue. Tout de suite. J'étais sors 5, 9. 8, 7. 4, 6. 4, 4. 3, 4. Cela vous revient-il en mémoire Quoi comment, comment 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 on à Aquedo Comment on tu C'est de votre faute, Majesté. Je veux que vous vous rappeliez que ce compte est à mon nom. Et j'ai le mot de passe. Je peux me rendre à la banque n'importe quel jour qu'il me plaira. Et même le feu de l'enfer sera petit. Ne me tentez pas votre majesté. Chassez cette chienne hors de chez moi. Tu oses me faire chanter Mon Dieu. Cette fille est un démon. Elle est un démon. Akuido quoi doit être un démon Ah, à sois soit la bienvenue. Bon après-midi. D Accord, j'ai dit bon après-midi. Tu sais quoi Disparais. Hein Ahko, il s'est passé quelque chose. Je, je t'ai seulement. Oh, sacré. regarde tes immondes salutations pour toi, espèce d'hypocrite. Hein Écoute-moi bien. Que ce soit la toute dernière fois que tu me salues dans ce palais. Sale traîtrice. Je ne comprends pas. Que veux-tu dire par ⁇ elle doit partir ah, ⁇ S'il te plaît, explique-moi ça. Que veux-tu dire par ⁇ Ozundo doit partir ⁇⁇ Qui a-t-il à expliquer Quoi Ozundo a été amenée dans ce palais pour tomber enceinte du prince. Maintenant, elle est enceinte. Et je dis qu'elle doit repartir chez sa mère. Qu'elle reste avec elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre là? Pourquoi parles-tu ainsi? Je veux dire, pourquoi dis-tu ça? Pourquoi ce changement soudain d'avis? Ok, tu dis qu'elle doit retourner chez elle. Chez elle, où? Ici, c'est le chez elle. Non. Non, ça, ce n'est pas le chez elle. Excuse-moi. Je vais me répéter. Ozondo a été amenée au palais pour nous donner un petit fils, toi et moi. En ce moment, elle est enceinte. Mission accomplie. Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre Elle doit repartir. Mais elle a été mariée à notre fils. Ah. Ah. Et, et, et alors euh, Écoute-moi, écoute-moi, Lolo Ezyogo. Écoute-moi juste. Je suis l'unique roi de ce royaume. Et je suis responsable de chaque décision. J'ai mes propres raisons pour chaque décision que je prends et je ne suis pas tenu de donner une explication ou de justifier chacune de mes décisions. Je ne le suis pas. Ozondo s'en va. Point final. Mais on est où là? Tout ça à cause d'Akoidro. Pas vrai? Elle a dû te dire quelque chose. C'est pour ça que tu réagis de cette façon. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu dis, Lolo? Est-ce que tu serais par là en train de suggérer que je ne suis pas un homme de pouvoir? Oh, non. S'il te plaît, mon mari, ne te méprends pas sur mes propos. J'essayais de dire que... Écoute, je, je, je mets fin à cette conversation. Ozondo, s'en va. Fin de la discussion. Mon mari, qu'est-ce qui se passe Je dis que cette conversation arrive à son terme. Point barre. Et je ne veux plus entendre un mot de ta part. Plus un mot. Mmh. une personne si ingrate. T'es sans cœur. T'as fini Qu'a-t-elle fait pour mériter ce genre de traitement de ta part J'en ai juste ma claque de partager mon mari avec une autre femme. La mission d'Ozundo ici était de tomber enceinte de mon mari. Maintenant que c'est fait, qu'elle retourne chez elle. Mais elle est mariée à ton mari. Les mariages peuvent être annulés. Qu'elle retourne chez elle. Pour bon, commencer, c'est toi qui m'a amenée ici. Alors pourquoi ce soudain changement d'avis? Comme je l'ai dit plus tôt, j'en ai plus que marre de la voir ici, chez moi. Je veux juste qu'elle rentre chez elle. Hum. Regarde-toi. Regarde-toi qui supplie Dieu de te donner un enfant. Mais tu es là à maltraiter une femme ensemble. Ce que je fais ou ne fais pas n'a rien à voir avec mon incapacité d'avoir un enfant. Je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas de ma faute si je n'ai pas pu vous donner un petit-fils. Je veux rester toute seule, s'il te plaît. Je ne suis pas surprise. J'ai toujours su que tu cachais ton jeu. Cette attitude de sainte ni touche gentille que tu montrais durant toutes ces années. Mais je crois que j'étais quand même sous-estimée. T'es vraiment monstre. La prochaine fois que tu me traites encore de monstre. Je ne te laisserai pas t'en sortir à bon compte. Père, j'ai dit non. Pourquoi est-ce si difficile pour toi de comprendre? Pourquoi? Comment veux-tu que je renvoie la mère de mon futur enfant dans la maison de ses parents? Pourquoi? Père, ça ne se fait nulle part. Et même si cela se fait, je ne le ferai pas. Ça, c'est la décision que moi, Oketele, le vénéré roi d'Oumouézé, j'ai pris. Et tu ne peux pas la changer. Alors tu feras mieux de partir. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, père Qu'est-ce qu'Arkouedo a bien pu te dire parce que tout ça ça vient d'elle, je le sais elle m'avait déjà parlé de ça. je sais qu'elle est derrière tout ça. Dis-moi d'où vient cette alliance soudaine, cette soudaine alliance d'où vient-elle, père pour commencer tu m'as dit de prendre une deuxième épouse. C'est-ce que j'ai fait, mais non pourquoi veux-tu que je la renvoie dans la maison de ses parents pourquoi père? Euh, mon fils, tu, tu, tu as deux femmes dans ta vie. Et ce ne sera pas du tout facile pour toi sur le long terme. Je ne veux pas du tout te perdre si tôt pour cause d'hypertension. Tu sais ce que ça veut dire de gérer deux femmes hein? Ce n'est pas facile. Donc, euh, l'une d'elles doit s'en aller. Après tout, tu as épousé Ozondo pour qu'elle te donne un enfant. Pas vrai <laughs> La procédure est déjà lancée, alors laisse-la rentrer chez ses parents pour compléter la procédure. Pourquoi, pourquoi, je... pourquoi ne peut-elle pas faire ça ici euh, mais... hein? Pourquoi Pourquoi je, je, je veux dire, la, la, la mère de ton petit-fils, pourquoi ne peut-elle pas Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas terminer le processus dans cette maison, dans ce palais Non, non, tu ne m'as pas bien compris. Ozondo, elle a bien venue dans ce palais en tout temps et en tout moment. Mais juste pas pour le moment. Hmm? Essaie de comprendre ça. Père, c'est la mère de mon futur enfant. Donc ça fait de moi son mari. Si quelqu'un doit prendre une décision, ou si quelqu'un doit la chasser d'ici, c'est moi qui devrais la chasser d'ici. Et j'ai dit non, elle ne va nulle part. Elle reste au palais. Ok. Je sais que tu es le vénéré roi de ce royaume. Je le sais. Mais là, c'est ma femme. Tu es maintenant en train de me dire que tu es amoureux de deux femmes. Ça n'a rien à voir ici, père. Je sais qu'il n'y a qu'une seule femme ici que tu aimes. Et je sais bien qui c'est. Ah oui? Oh oui, je le sais. Tu la connais? Je la connais très bien. Tu veux me défier Ok. Laisse-moi renvoyer Aquido euh, euh, chez elle. Laisse-moi la renvoyer. Aquido est ma femme. Euh, tu vois Tu vois Tu n'as même pas hésité à répondre. Alors c'est bien ça. Et c'est à elle que ton cœur. Alors arrête de faire semblant. J'ai ouais. essayé de te l'expliquer plusieurs fois, mais, mais tu ne fais que t'obstiner. Je ne sais pas pourquoi. Alors écoute-moi. Moi, Oketele, le vénéré roi d'Umweze, présentement, je suis en train de changer les règles dans ce palais. Désormais, tous les hommes mariés de ce palais ne vivront qu'avec une seule femme. Père, alors tu as un choix à faire une seule femme, Aguedo ou Ozondo Oh, Ako, qu'est-ce qu'il y a? Est Ce que j'ai sur le feu risque de se brûler. Et ne crois-tu pas que c'est mieux? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Tu ne vas pas bien chez moi. C'est quoi ton problème, Ozundo? Pourquoi ne restes-tu pas dans ton aile du palais, hein? Que fais-tu à la cuisine? Je, non. Je vais être claire. Cette cuisine est mienne tienne. Cette maison, ce palais, sont mien. Patien, Pourquoi passes-tu si ton temps à charmer tout le monde en allant à la cuisine pour préparer comme si Il n'y avait pas de savante au palais. Ako. quoi J'essaie de cuisiner pour oh, toi. Ferme ton clapet. Ferme ta bouche. Avant que je ne botte cette sale chose de ton ventre et que je ne te la fasse sortir par ta bouche. Et toi, petite conne. Quelle instruction t'ai-je donnée, hein? Mais ma princesse, elle insistait pour... Tenez ça. je veux savoir une chose. Lui aurais-tu demandé de ne pas me laisser cuisiner? Dégage avec ton affreux ventre devant ma face. Va-t'en. Disparais. Et hey, toi, reviens ici, mets-toi là. Bon, je vais être clair. Et c'est la dernière fois que je te dirai cela. La prochaine fois que je vois cette pute dans ma cuisine, je servirai ta tête au dîner. Oui, ma princesse. Et va à la cuisine. Enlève ce truc du feu. Et verse-le dans le levier. Tout de suite. Disparais. Zondo, ma chère. Je suis navré d'avoir à te demander de quitter le palais. Maintenant. Tu n'es pas répudié ni rien de la sorte, mais euh, nous voulons juste que, que tu rentres chez toi et que tu restes avec ta mère pendant la période de ta grossesse. Pour que tu te sentes à l'aise. Hein? Non. Parle pour toi, père. Oui, majesté parle pour toi. Ma fille, je n'ai absolument rien contre toi, rien. Hmm? C'est la raison pour laquelle j'ai préparé deux servants, les meilleurs, pour qu'elles t'accompagnent là-bas à la maison. Euh, tu sais, euh, euh, au-delà de ça, j'ai aussi préparé une modeste somme de un million de naira. Comme ton argent du mois pour prendre soin de toi et de l'enfant en venir pendant cette période. Je suis sûr que tu seras très content. Merci, votre majesté, mais je n'ai pas besoin de votre argent ou des servantes. J'ai ma mère, alors ça va aller. Ozondo, oh, ma chérie, je veux que tu saches qu'on n'essaye pas de se débarrasser de toi, ok? D'accord, ma reine. D'accord. Je t'en prie. Dis juste un mot. Dis juste un mot, je mettrai fin à cette folie. Dis-le. Et je te garderai. Ok Dis-le, pitié. Non. Non, mon prince. Le roi lui-même m'a demandé de partir. Donc, Je dois faire qu'il a dit, mais c'est pas grave. Ça va. Tu vas me manquer. Vous allez aussi me manquer, ma reine. Tu vas tous nous manquer, ma fille. Prends bien soin <laughs> de toi ainsi que du bébé, mon petit fils. thank you Ako. Tu m'as amené ici pour sauver ton foyer. Ensuite, tu m'as tourné le dos alors que je ne t'ai rien fait, Aco. Pour cette seule acte que ta part, tu ne connaîtras pas la paix. Tu ne connaîtras plus jamais la paix, Aco. Je suis désolée ma fille. Ouzondo, s'il te plaît, pardonne-moi. Tout ceci, c'est de ma non, faute. Non, maman, ce n'est pas de ta faute. Si, ça l'est ma fille. C'est moi qui ai suggéré et insisté sur cette idée au début, ok Je t'ai fait quitter le seul homme que tu aimais le plus au monde pour le bien de ta sœur Parce que je voulais le meilleur pour elle. Sans me soucier de ce que tout ceci te ferait. Maman. Regarde où ça t'a mené. Regarde-toi enceinte et de retour dans la maison de ton père. Tout ça, c'est de ma faute, ma fille. S'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolée. Maman, nous sommes toutes blâmés pour ça. Oui, tu as insisté, mais j'ai pris la décision, moi aussi, d'épouser le mari de ma sœur. J'ai rompu avec des policiers, alors je mérite tout ce qui est en train de m'arriver, pas vrai? Viens, ma fille. Je suis désolée, tu n'es pas blâmer dans tout ça, s'il te plaît. Pardonne-moi, pardonne-moi. Je suis désolée. Non, non, j'ai passé mon temps à me demander comment ma propre sœur a pu me faire ça. Elle m'a pratiquement utilisé chassée, maman. C'est bon, ma fille. Le karma, le karma va bientôt lui faire payer ça. Nébissé la visitera très bientôt. Je ne cesse de me demander ce que j'ai fait de mal. Maman, je n'ai fait que du bien. Je sais ce que c'est fait d'être mariée au mari de quelqu'un d'autre, alors j'ai tout fait pour rester à ma place, maman. Je respectais ma soeur, je cuisinais même pour elle. Et à l'époque, le prince Odinaka me laissé pendant des mois. Et je ne me mariais même pas. Maman, le prince Odinaka ne m'a touché que deux fois pendant mon séjour au palais. Tu es sérieuse là? Mais je ne me suis jamais plainte, maman. Je ne me suis jamais plainte, car je sais à quel point le prince l'aime, alors je voulais juste qu'elle soit heureuse. Maman, je ne voulais que Mon la Dieu. paix. Mon Dieu. je J'étais tranquille avec l'accord que j'ai passé avec le roi grâce à sa ça, à ça, sans ça. Et je suis heureuse. Je suis désolée, ma fille. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu as fait un très grand sacrifice pour ta sœur et personne ne s'est jamais soucié de toi. Je suis désolée. Ça va aller. d'eau, récoltera certainement le fruit de son labeur, je t'assure. Ça désolée, ça va ma fille. Ça va ça aller. Ça, van van ça va aller, ma fille. Désolée. <laughs> C'est bon. Ça va aller. Ça va aller. Ça va, ça va aller. Chez Wendo, je regarde l'heure des puits pour essayer de rattraper mon mari pour son déjeuner. Que se passe-t-il? Il a déjà pris son petit déjeuner, princesse. Oui, quand? Il était assis là, dans le jardin. Il a demandé que je le serve là-bas. Euh, C'est bon, tu peux disposer. Il a ordonné qu'on le sève dans le jardin. Que se passe-t-il? Je ne suis pas un homme qui parle beaucoup. J'apprécierais que tu ailles droit au but. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il où? Tu es resté au jardin hier. Et a demandé qu'on te serve à manger là-bas. Pourquoi Eh bien, c'est le palais de mon père. En fait, c'est mon palais. Donc, j'ai le droit de manger dans le lieu qui me plaît. Ce n'est pas juste à cause de la nourriture. Tu as quitté notre chambre pour dormir dans la chambre d'amis. C'est la même chose dont je viens de te parler. Si j'ai le droit de manger à l'endroit qui me plaît. J'ai aussi le droit de dormir à l'endroit où j'ai envie de dormir. Odinaka, est-ce que tu m'évites Pourquoi j'ai l'impression que je suis en train de perdre mon mari Une fois de plus, je veux te dire que je suis vraiment désolée pour l'autre jour. <laughs> C'est passé, mon prince. Tu es pardonné. Euh, je suis très contente que tu aies décidé de te souvenir de moi aujourd'hui. que je ne t'ai pas oublié, juste très occupé. Ok, je le sais maintenant. <rire> <rire> Bon, comme je le disais. Euh, J'aurais aimé. Euh, J'aurais aimé réparer les torts de l'autre jour. Oh, mon prince! Mon prince, rien qu'être avec toi est suffisant. Je suis si heureuse d'être ici. T'en es sûre? Oui! <laughs> mon prince! Et donc c'est comme ça. Odinaka est décidé à me punir. Je lui ai demandé de chasser l'autre femme. Et il est allé jusqu'à ramener Ginika dans cette maison pour me punir. C'est bon. Hmm. C'est pas grave. Parce qu'on verrait qui a le plus d'autorité dans cette maison. Lolo, surtout ne t'inquiète de rien par rapport à ça. Je me charge de tout. Je me charge de tout. Bonjour, Vos Majestés. Euh, mon roi, j'aimerais vous remercier pour votre soutien pour le départ de ma soeur du palais. Mais j'ai une autre faveur à vous demander. Euh, Guinnica, qui est censée être ma meilleure amie, fait des avances à mon mari, et je ne suis pas du tout contente de cela. Je demande simplement qu'elle soit bannie du palais. Majestad. <coughs> Du silence n'est-il pas suffisant »« Dis-moi, Odinaka, maintenant tu veux partir de notre chambre ?»« Tu veux quitter notre chambre conjugale parce que tu es fâchée après ta femme ?»« Lâche !»« Pourquoi ne quittes-tu pas le palais plutôt, hein Oh, je vois !»« C'est pour ça que tu as invité Ginika ici, pour me donner la claque ultime au visage ?»« Oh, reste là !»« Tu veux divorcer de moi ?»« Alors vas-y » C'est à ça que rime toute cette attitude. C'est pour ça que tu me fais tout ce mal. Réponds-moi. C'est à toi que je parle du naka. Réponds-moi. <laughs> Excusez-moi. Que signifie tout ceci? Ôtez-vous de ma route, vous deux. Je suis une vraie ma princesse. On ne peut pas. C'est censé être une blague ou quoi? Hein que se passe-t-il là-bas que je ne suis pas autorisée à voir? Ici, c'est ma maison. Dégagez et laissez-moi passer. Dégagez de ma route, vous deux. Maintenant, écoutez-moi. Je vous donne cinq secondes pour enlever vos sales devant moi. Sinon, je vous fais virer. Dégagez Non, ma princesse, la vérité est que vous avez été bannie de cette allée du palais. Pardon Oui. Le roi a donné l'instruction de ne pas vous laisser entrer dans ces quartiers. De ne pas vous laisser lui parler, ainsi qu'à la reine. Vous avez perdu tous ces privilèges. Je viens de les laisser il y a quelques minutes. Écoutez, ma princesse, l'instruction a été donnée il y a cinq minutes. Ça veut dire que je ne peux pas voir le roi. Oui. Ni même lui parler quand vous le voyez à l'extérieur. M'ont-ils excommunié Aucune idée, Votre Altesse. Tu as besoin de mon aide Comment est-il possible Maman. Et j'ai besoin que tu m'aides. Je, je ne sais pas quoi faire. Mon monde est en train de s'effondrer. J'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. En quoi cela me concerne-t-il Et pourquoi appelles-tu mon numéro Et qu'est-ce qui te fait croire que tu as encore le droit de m'appeler Maman, maman, je t'en supplie pour la mort de Dieu. S'il te plaît, tu dois m'aider. Pardon, tu dois m'aider, maman. Écoute, Aquedo, je ne peux pas t'aider. Cesse de m'appeler et règle tes problèmes toi-même. N'importe quoi. Maman, je... Allô? Allô? m'a amené ici pour sauver ton foyer et tu m'as tourné le dos alors que je t'ai J'étais coupable. Non. Qui es-tu et que fais-tu dans mon palais? Je m'appelle Olivia, ma princesse. Votre servante. Ferme-la. J'ai commencé le boulot ce matin en tant que votre servante personnelle. Et sur ordre de qui La reine, ma princesse. La reine. Ouais, Shiwendo Princesse. Elle est encore là et elle travaille pour la royauté. Je suis là pour vous, ma princesse. Maintenant, écoute-moi, Olivia, ou quel que soit ton nom. Je n'ai pas besoin de tes services. Dégage vite de mon palais. Si j'ai besoin d'une servante. J'en embaucherai moi-même. Mais, mais, ma princesse, j'ai signé un contrat. Désolée, ma petite, mais tu as signé un contrat caduc. Il n'a rien à voir avec moi. Dégage. Ma... J'ai dit dégage. Ok, ma princesse. Eh, viens, viens, reviens ici. Je te dis de sortir, toi tu entres au palais. Dégage. Je veux dire dehors. Ok, ma princesse. Pourquoi m'assigne-t-on une servante inconnue Après tout ce que j'ai fait pour ma sœur, j'ai laissé mon Lisa juste pour concevoir, pour elle et son mari. Mais elle m'a tourné le dos. Dis-moi, Chiwendo. Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi me racontez-vous tout ça? Je suis juste une simple servante dans ce palais. Je ne suis pas qualifiée pour parler des membres de la famille royale. Chiwendo, je te raconte ceci parce que je te fais entièrement confiance. Les gens ont perdu leur humanité. Les humains ont toujours le bien par le mal. Peu importe ce qu'on fait pour eux. Ils ne le rendent jamais par la gentillesse. Les gens font peut-être ce que vous dites, mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est quoi ce genre de rêve Et pourquoi est-ce que je rêve de la sœur de la princesse Et quand je dors. Pourquoi est-ce que ça doit être moi Je ne suis pas censée être ici pour vous parler, mais je dois vraiment faire cela. <laughs> Ma princesse, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, essayez de vous réconcilier avec votre soeur. Euh, je l'ai vue la nuit d'hier dans mes rêves et elle se lamentait. Elle se lamentait sérieusement. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai fait ce rêve, mais je crois que c'est possible. Oh, juste ferme-la. Quel stupide signe Veux-tu que je m'énerve contre toi Pourquoi ne te tu pas de tes affaires Ma princesse, n'avez-vous pas entendu ce que j'ai expliqué Regarde tes explications. Je vois comment t'as interdit de me parler. Maintenant tu fais des rêves sur ma sœur, hein pourquoi ne continues-tu pas à te comporter comme l'étrangère que tu es dans ce palais Fais-tu partie de cette famille Réponds-moi Non, non, partages tu du tout. le même lit que le prince Pas du tout. Qu'est-ce qui t'a donné le droit de parler des bêtises qui te sont venues en tête Est-ce parce que je t'ai donné le privilège d'être proche de moi Non, ma princesse, ah. je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas vous insulter. Peut-être que dans ta petite tête, tu te crois plus futée hein, et plus vieille que moi. C'est ce que tu crois, jeune fille. Non. Disparais. Hé hey, hé. Hey. Que ce soit la dernière fois que tu me parles de telles bêtises. Suis-je bien clair? Oui, ma princesse. Dégage. J'aimerais bien savoir à quoi exactement ton fils est en train de jouer. Mon roi, je ne sais vraiment quoi te dire, mais notre fils ne joue à rien du tout. Lolo, les rêves sont très préoccupants. Eh bien, mon roi, que te dire Je crois que il fait ça juste pour faire du mal à sa femme. Hmm. J'ai la nette impression que tu as quelque chose à voir avec sa présence ici. Non, 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 pas cette fois. Vraiment Il a fait venir ici sans même que je ne sois au courant. Vraiment mmh. Alors, quoi Qu'est-ce que... Est-ce qu'il est sur le point de prendre une autre femme Parce que je ne vais pas du tout l'accepter. Moi non plus. Non. Après son expérience avec les deux sœurs, je n'accepterai jamais, jamais cela. Non, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. C'est assez si difficile pour lui de gérer deux femmes. Bien qu'il semblait y avoir la paix, mais je sais très bien que c'est assez si difficile. Je sais qu'il aime cette fille d'Akuedo énormément. Bien qu'elle se soit avérée être un démon, pardonne-moi. Oh, c'est bon, c'est bon. Ah, euh, euh, il aime encore. Manifestement. Bien qu'il essaie de la punir. Et voilà un peu ce qui explique la présence de Gunika dans ce palais. Honnêtement, je ne comprends rien. Ozondo est une fille si gentille. En ce moment, Odinaka l'a renvoyée. A renvoyé. dit vrai, Majesté, en fait c'est toi qui l'as renvoyée de ce palais. Lolo, petit. Lolo, écoute, laisse-moi te dire un truc. Oui. Si notre fils, Odinaka, avait vraiment insisté qu'Osondo reste dans ce palais, il serait même entré en guerre contre moi. Est-ce que tu aurais aimé voir ça d'autre t'a fait chanter. Mais si tu refuses de me dire tout ce qu'elle t'a dit, je suis tout de même convaincue que c'est à cause d'elle que t'as renvoyé d'autre de ce palais. Ouais, tu as peut-être raison, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'Odinaka voulait vraiment qu'elle reste. Donc, tu veux dire... Écoute, Lolo, tu ne fais que parler de cette histoire encore et encore et encore. Mais je voudrais te poser une question, une simple question. Est-ce que depuis qu'Osundo est parti de ce palais, Odinaka lui a rendu visite Non. Ah mais... Nous y voilà. Hein M Nous avons tous notre réponse. Hmm. Laissons tomber cette histoire. Eh bien. Malgré tout, elle reste la mère de notre petit-fils. Et euh, un membre vital de ce palais, je suis d'accord. Euh. On a vraiment beaucoup trop de drama. Ainsi va. Eh bien, ainsi va la vie, Lolo. Vas-y, décroche. Excuse-moi, oh, Majesté. Allô? Quoi? Où ça? Ah, euh, merci. Merci infiniment, merci. Qu'est-ce qui se passe? Bonne nouvelle! Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle! Dis-moi! Comment tu vas, ma chérie? Je vais bien, ma reine. Merci. Merci infiniment de nous rendre si fiers. Merci. Hey, un enfant garçon! Hey, un beau petit garçon! Pourquoi ne m'as-tu rien dit quand tu es entré en travail? J'ai ma mère. Je n'en ai pas vu la nécessité. Tous les deux, vous allez vous arrêter. Le plus important ici, c'est que le bébé soit là. Hein Si t'es pas content, moi, je suis aux anges. Et tu vas bien Oui, je vais bien. Ah, belle-mère. Brave maman, Akuedo. Votre majesté. <laughs> Merci. Merci d'avoir pris soin de... C'est ma fille. Et j'ai le droit de prendre soin d'elle. Oui, c'est vrai. Ah, tu es trop puissant pour ça. Je ne sais vraiment pas avec quoi elle réussit à te tenir, mais tu es le roi. Le grand roi du royaume de Moïse. Personne ne s'amuse avec toi. Tu ne peux pas rester t'asseoir là et laisser une simple femme dicter ta vie. Qu'a-t-elle fait pour toi est-ce qu'elle a tué pour toi? Oublie tout ce qu'Akuedo a pu te faire dans le passé. Nous sommes là en train de parler de ton petit-fils. Mon roi, souviens-toi qu'un prince ne peut pas être élevé hors de ce palais. Garde sans tête. Ozondo reviens au palais avec ton petit-fils. Je t'ai dit de faire des frites de plantain. Pourquoi es-tu en train de préparer une soupe Eh bien, c'est parce que je lui ai demandé de cuisiner exactement ce que mon corps fait. Tu as changé mes ordres Pourquoi Pourquoi Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes ce qu'une mère allaitant a besoin. Tu n'as jamais été enceinte de toute ta vie. Espèce de femme stérile Pardon Pardon pourquoi Tu t'es sentie insultée, Sirette non, non, ne te sens pas insulté, parce que je viens tout juste de commencer. Ozundo, que signifie tout ça? Ce que ça signifie, tu sais, ta présence dans ce palais est un privilège. Et le moins que tu puisses faire, c'est de remercier la mère du fils de ton mari, espèce d'ingrate. Ça veut dire que désormais, tu n'as pas le droit de lever un doigt dans ce palais sans ma permission. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de donner des ordres aux servantes, aux anciennes et aux nouvelles parce qu'elles sont toutes miennes. »« Ça veut également dire que tu n'as pas le droit d'entrer dans la cuisine et donner des ordres parce que la cuisine est également mienne. Alors tout ce qu'on te servira, c'est ce que tu mangeras. T'as un problème avec ça, <laughs> Seret Disparaît. Dégage de ma cuisine tout de suite. Dégage. Ozundo, c'est à moi que tu parles de cette manière mmh. Tu te sens insultée À nouveau, Seret. Allez, lève, lève la main, lève ta main et gifle-moi. Gifle-moi et l'aurore aura toutes les bonnes raisons de te jeter hors de ce palais parce que c'est tout ce que tu mérites. Tu penses que tu peux encore me jeter dans le froid Cela n'arrivera. N'arrivera plus jamais. Alors dégage, disparais. Espèce de méchante femme des très forts de l'enfer. Femme démoniaque, femme ingrate. Disparais. Ilo, en ce moment précis, je ne sais pas qui est ma reine. Je suis très confus. Akuedo ou Ozondo oh. Odinaka, tu vois, la façon dont tu réfléchis parfois, la façon que tu raisonnes, hein? Je commence à me poser des questions. Si. s'il y a un petit sorcier qui. qui manipule ton cerveau dans ce village. Pardon qui doit te pardonner Je te demande aussi si tu as oublié une partie de ton cerveau dans le ventre de ta mère quand t'étais étais enfanté. Eh, eh, ilo, fais attention. Je n'ai pas fini. Je te préviens. Hein. Je n'ai pas fini. Si tu veux faire quelque chose, vas-y, fais-le. Je continue de me demander si ton cerveau a été spirituellement changé avec celui d'un bouc. Es-tu venu ici ce matin pour m'insulter Ilo, es-tu venu ici dans mon palais pour m'insulter Désolé. Viens. Pardonne-moi. J'essaie juste d'être réaliste. Odinaka, tu vas devenir roi un jour. Je suis sûr que tu feras de moi ton No. -o. Je serai toujours là pour te donner de bons conseils. Mais vu la façon dont tu raisonnes, je, je, je me demande si. Mais c'est quoi ton problème Ilo, qu'est-ce qui va pas chez toi Dis-moi un peu, ne peux-tu pas garder ta bouche fermée Raisonne Raisonne! Raisonne avant de parler, mec! Mince! Ou t'es juste ici pour me couvrir d'insultes? Ou es-tu venu ici pour délibérément m'insulter, me provoquer? Qu'es-tu venu faire aujourd'hui? Odinaka, je ne suis pas venu ici pour t'insulter. Je ne peux pas t'insulter. Tu es quand même le prince. C'est juste que la question que tu m'as posée est très simple et la réponse est évidente. Ok, dis-moi quelle est cette réponse claire. C'est simple. C'est aussi simple que d'aller en enfer. La mère de ton fils sera couronnée reine. Donc pour toi, je dois faire Dozundo ma reine. Oui. Il n'y a pas de solution à cela. Cette femme est la mère de ton fils. Donc tu dois la couronner reine immédiatement. Et qu'arrivera-t-il à Kuido? Très simple. Elle restera la première femme qu'elle est. Personne ne peut contester cela avec elle. À moins que tu veux divorcer d'elle. Et si tu veux vraiment divorcer d'elle, je peux t'arranger ça. J'ai un avocat sous la main qui peut vous faire divorcer. Tu as raison. Ozundo est effectivement la mère de mon fils. Akuido est juste ma première femme. Oui, c'est vrai, elle est ta première femme. Mais c'est juste une, une position. Juste ta première femme. Elle n'est pas que ma première femme. Mère Oui, fiston Mère, s'il te plaît, aide-moi. Exerce mon souhait. Par la paix pour moi. Odinaka, c'est si surprenant qu'après tout ce temps, tu puisses encore parler de la sorte. Mère je te posais une question. Vas-y, je t'écoute. Mère, dis-moi, comment te sentirais-tu Si après tout ce que tu as enduré dans la vie avec Père, il ne faisait pas de toi sa reine. Juste parce que tu ne m'avais pas accouché. Odinaka, c'est juste. Euh, euh, Mère, attends un peu. Je veux juste que tu imagines ceci. Comment te sentirais-tu si tu avais vu Père épouser une autre femme et faire de cette femme sa reine? Juste parce que tu étais capable de lui faire un enfant, qu'aurais-tu ressenti? Écoute, mère, Acuido est mon amour. Elle est ma première femme. Mère, je veux faire d'elle ma reine. qu'en sera-t-il de Zondo Mère, je me rassurerai que le reste de sa vie soit un paradis sur Terre. Acuedo n'est pas si méchante. Elle n'est pas si méchante. Elle ne peut pas être aussi méchante envers sa propre sœur, Ozundu. Hmm. Ton père ne va du tout pas apprécier. Il ne va pas aimer ça du tout. Mère, je sais. Mais tu peux lui faire entendre raison. C'est pour ça que je veux que ça sorte de ta bouche. Eh bien, je ne peux pas nier le fait que je déteste Akuedo ces derniers jours. Mais tes raisons sont également très solides. Merci de me comprendre, mère. Puis-je te poser une question? Vas-y, je t'écoute. Pourquoi, Kouedou? Je veux dire, après tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle est dans les capacités de faire, pourquoi continues-tu de l'aimer autant? Mère, je crois que père et toi avaient eu vos hauts et bas dans votre jeunesse. Mais pourquoi es-tu toujours là? Pourquoi es-tu toujours avec lui? Pourquoi l'aimes-tu toujours autant? Je parlerai à ton père. Merci infiniment, mère. Mais si Yakueto que. « Quoi que ce soit, spécialement ce qui concerne mon petit-fils, je lui ferai du mal. Je lui ferai extrêmement mal. Ça, c'est ma promesse. »« Mère, Akudo n'est pas un monstre. »« Merci. » Bonjour, Diablesse. Pardon Où oh, est ton âme Oh, plutôt Où ouais, est mon âme Parce que je sais qu'il n'est plus le tien. Je n'ai pas le temps pour toutes ces bêtises. Tu ne devrais pas avoir le temps. Désister pour commencer. Honte à toi. Je suis venue ici pour voir la face d'une paire qui a perdu son mec en main de sa petite sœur. Tu devrais te couvrir le visage de honte. Honte à toi Espèce de femme stérile! N'ose pas! N'essaye pas! Dis-moi, est-ce un avortement qui a détruit ton utérus? Beaucoup trop de contraceptifs? Une infection? Ou ton utérus est-il naturellement endommagé? <laughs> Je sais que tu ne diras pas la vérité. Je préfère te laisser ici. Tu m'offondras ton chagrin pendant que j'entre chez toi. Pour séduire ton mari, <laughs> idiote. Une habitude de toujours vouloir se suicider. Est-ce loisir pour elle? Euh, non, j'ignore ce qui se passe. Mais s'il vous plaît, d'abord, comment va-t-elle? Comme d'habitude, elle ira bien. Seigneur. Mais qui sait ce qu'elle fera la prochaine fois? Ou ce qu'elle utilisera? Et si elle survivra ou pas la prochaine fois? <laughs> Votre femme a-t-elle un problème mental et nous ne savons pas Non, non, pas du tout. Je suis sûre qu'elle en a. Alors pourquoi a-t-elle voulu se suicider deux fois dans une année <laughs> Quelque chose ne va pas. Je. je. je je sais vraiment pas. L'as-tu frappée Non. Tu la frappes, c'est ça Ou peut-être que vous l'avez menacée avec. Des choses comme le divorce. Non. Sauf votre respect, docteur. Je ne frappe pas ma femme. Je n'ai jamais frappé une femme de ma vie. Et je ne la menace pas de divorcer. J'ignore vraiment ce qui se passe. Je ne peux pas l'expliquer. Il y a autre chose. Vous êtes infidèle. Docteur, par pitié, pouvez-vous arrêter Cessez ces accusations. Pouvez-vous arrêter Ok Si les choses ne marchent pas bien dans notre mariage aujourd'hui, Akuido est à, à blâmer pour ça. De grâce, arrêtez. Je n'ai absolument rien fait de mal. Donc, pouvez-vous arrêter de rejeter le blâme sur moi Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec votre femme Qu'est-ce qui ne va pas chez elle Elle a commencé avec des pilules. Et aujourd'hui, un couteau. Qui sait ce qu'elle utilisera la prochaine fois mmh. Aujourd'hui, il restait juste un peu pour qu'elle perde sa vie. Quelque chose ne va pas. Euh, euh, docteur, docteur, vous ne pouvez pas lui prescrire un truc comme les médicaments <laughs> Comme des antidépresseurs Oh, c'est comme ça qu'on les appelle. Ne peut-elle pas commencer à les prendre Avec sa manière de se comporter, je doute que ça puisse marcher sur elle. Oh, mon Dieu, que faire alors Cherchez à savoir ce qui ne va pas avec votre femme. Cherchez à savoir le problème de votre femme. Je dois vous laisser. je suis si désolée. Je suis vraiment désolée. Ako, tu as failli mourir aujourd'hui. Et pourquoi S'il te plaît, Ako, ne refais plus jamais ça. Tu es précieuse pour moi. Tu es importante pour moi, je t'en prie. Es-tu sûre de cela? Oui. Je suis importante pour toi. Bien sûr. Alors, pourquoi es-tu revenue Ako. Je t'ai demandé de ne pas revenir. Pourquoi l'as-tu fait Ako. J'ai une question pour toi. Pourquoi tu ne laisses pas le passé derrière nous, Ako As-tu besoin de moi vivante? Oui. Évidemment que je te veux en vie, Ako. J'ai besoin de toi. Et je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Dis-moi n'importe quoi. Dis-le-moi juste et je le ferai. Pas. Quoi? Prends ton fils et quitte ma maison. Oh, quoi. Comment peux-tu me. Une Pourquoi chose ne pas restes pas, hein tu me brises aux ondes. Doux. Si tu prétends m'aimer autant comme tu le dis, prends ton fils et quitte ma maison. Est-ce vraiment trop de te demander que je m'en aille? Que j'amène le prince loin de son foyer? Pardon, mais je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Demande-moi autre chose. Mais ça, je ne peux pas. N'importe quoi d'autre. Peu importe. Je veux que tu divorces du prince. D'accord. D'accord. Tu me demandes des choses extrêmes. Osondo, qu'y a-t-il d'extrême à ce sujet? Toi et moi savons que c'est la seule solution. Qu'y a-t-il de si extrême à ce sujet? Non. Il y a d'autres moyens de résoudre ce problème. Je suis désolée, mais je, je ne peux pas. Je ne peux pas divorcer du prince et je ne peux faire aucune des choses que tu m'as demandé. Je ne peux pas. Au oh, dépend de la vie de ta propre sœur. S'il te plaît. Tu es un peu trop difficile. On peut résoudre ça. On peut vivre ensemble comme une famille. Oui, on peut. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais être très claire. Prends ton fils et disparais de ma maison. Si... Je ferai de ta vie un véritable enfer. J'utiliserai ma dernière énergie pour faire de toi ma pire ennemie. Ce sera moi. Ou le palais. Le choix te revient. Odinaka, je sais que tu veux que je convainque ton père de faire d'Akuedo mon successeur. Et si tu lui offrais plutôt un gros dédommagement à la place Mère, je ne comprends pas ce que cela veut dire. Toi et moi savons que tu as compris ce que je viens de dire, mais laisse-moi être plus clair. Je veux que tu lui donnes de l'argent, une grosse somme d'argent, le genre d'argent qu'on donne à un homme, et le reste de sa vie, il ne pensera plus jamais à travailler. Donc, mère, tu veux que je divorce d'elle Libère-la. Laisse-la partir. Ça ne sert à rien qu'elle reste ici, elle n'est plus heureuse. Et de plus, tu as une autre famille. Alors, pourquoi la gardes-tu encore ici Laisse-la partir avant de nous réveiller un matin pour nous dire qu'elle est morte. Aucune famille royale ne va enterrer la princesse tant que le roi et la reine sont encore en vie. Mère, je suis tellement déçue, je ne comprends pas. Donc, c'est tout ce que tu as pu trouver. Odinaka, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as jamais pensé à ça. Même quand tu l'as vu dans la mare de son propre sang. Dis-moi qu'il ne t'est jamais passé en tête de mettre fin à tout ce drame. Odinaka. On a passé beaucoup trop de temps sur ce film et je crois qu'il est grand temps de mettre fin à cette histoire. Non, mère, je ne veux pas. Je ne veux pas. Ce n'est facile pour personne. Laisse-la partir. Je sais que c'est la femme que tu épousais pendant ta jeunesse. Mais je te conseille de la laisser partir. Donc juste la laisser partir la mettre à la porte après avoir laissé sa sœur me faire un enfant mère que crois-tu que les gens du royaume vont dire comment nous verront-ils ils ne nous traiteront pas de personnes méchantes ils nous verront comme des personnes prévenantes oh c'est pour ça que j'ai dit que tu la dédommages avec une grosse somme une somme vraiment énorme Dieu a béni cette famille avec plein de richesses, donc personne ne clignera des yeux au sujet de la somme avec laquelle tu la dédommageras. Tu es censée être la mère de tout le monde, la reine-mère de tout un chacun. Mais pour une fois, je n'arrive pas à comprendre. Je veux dire, tu es si méchante. Méchante envers une femme qui t'a toujours appelée mère. Odinaka, ça ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la sagesse. Oh Cette même femme a dit clairement devant tout le monde qu'elle ne veut pas vivre sous le même toit que ton propre fils. Laisse-la partir, fils. Ce ne sont pas tous les mariages qui sont censés durer toute la vie. Même l'amour meurt parfois. Donc laisse-la partir. Tu es le futur roi de ce grand royaume. Donc il est grand temps que tu commences à réfléchir tel quel. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Cuidou? Mais c'est quoi ton problème? Maman, que fais-tu ici? Akuedo, en dépit de nos différends, tu es toujours ma fille. Et personne n'aimerait enterrer son enfant. Aucune mère n'aimerait enterrer sa fille. Je le suis-je Es-tu quoi? Ta fille veux-tu dire par là? Parce que je me demande si. si tu ne me confonds pas avec Ozundo. doux Quand le feuille toutes les deux ou non, tu es ma fille. Je suis ta mère et c'est mon devoir de t'aimer. Est-ce que je veux savoir pourquoi veux-tu toujours te suicider? Pour vous chasser, Ozundo et toi, avant que vous ne le fassiez avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? Oui. Je sais que vous deux, vous me haïssez. Vous me voulez morte. Je l'ai fait pour vous faire enfin plaisir. À quoi et d'où As-tu perdu la tête Es-tu en train d'insigner que je suis confuse, désorientée, Cinglée Absolument folle Que fait Ozundo dans mon foyer conjugal avec un enfant qu'elle a fait à mon mari Quoi où est-ce qu'ils sont censés être? Souviens-toi très bien. C'est ce que tu voulais d'elle au départ. Et tu as prouvé cela. Tu as prouvé cela, maman. Bien que c'était grotesque et stupide, tu l'as prouvé, maman. Quel genre de mère es-tu? Celle qui voit son enfant mettre le doigt dans un feu ardent et le laisser faire? Quel genre de mère es-tu? Akuedu. Je n'arrive pas à croire que c'est toi qui dis tout ceci. J'ai fait ce que j'ai fait pour toi. Oh. Ozondo a fait ce qu'elle a eu à faire pour toi. Oh, super. Regarde où ça nous a menés. Où Où cela t'a-t-il mené? Si ce n'est que tu as décidé de devenir complètement, si ce n'est que tu as décidé de devenir complètement stupide et folle. Maman. Il dit à Ozondo d'emmener son patard loin de mon foyer. Sinon. Je t'ai Vas-y, Akwedou, déchaîne-toi. Déchaîne-le bien. Mais garde en tête que je t'ai appris tout ce que tu sais. Je t'ai appris tout ce que tu sais. Mais pas tout ce que je sais. Alors, déchaîne-toi et on verra. Je... Tout ce que je vois, c'est un gros danger. Un gros danger, mon prince. Je suis étonné que personne n'ait remarqué ce gros danger. Quelle gère de nourriture vous mangez dans ce palais qui vous empêche de faire ce qui est normal Fais attention à ne plus nous insulter. Fais très attention. De quoi est-ce que tu parles Odinaka, une femme qui est capable de simuler un suicide pour pousser son mari à faire ce qu'elle veut sans cécité. Mérite un carton rouge. Je ne sais pas pourquoi personne ne fait rien du tout. Pourquoi T'as recommencé T'as recommencé Chaque fois que tu... Non viens non, non, ici, non 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 non, je ne fais que pour dire pour la vérité. C'est exactement ce que c'est. N'essaie pas de changer de sujet. Je te laisserai pas le faire. Parle. Écoute, Othinaka. Premièrement, tu dois épouser cette femme. Elle n'a pas pu concevoir. Tu ne l'as pas chassée de chez toi. Maintenant. Elle t'a demandé d'épouser sa sœur. Ce que tu as fait. Après cela, sa sœur a pu concevoir. Elle a accouché un enfant, un fils de toi. Et maintenant, elle ne veut plus que sa sœur et ton fils restent chez toi. N'est-ce pas une sorcière N'est-ce pas une sorcière Une vraie sorcière Mon ami, si tu veux mon avis, c'est un signe de Dieu de la chasser d'ici. Ouvre les yeux tu vis dans le palais d'Oumouézé, un lieu où la distance doit être une valeur d'or. Très bientôt, les gens vont commencer à se poser les questions de savoir pourquoi est-ce que ton épouse, ton épouse essaye de se suicider. Veux-tu que cela arrive Mon cher ami, crois-tu que cela résoudra les choses Crois-moi, ça ne résoudra rien. Bon sang, Dinaka Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi Qu'est-ce qui ne va pas chez toi Tu es aveugle ou quoi Qu'est-ce qui ne va pas avec toi J'essaie de te montrer la voie, mais tu n'écoutes rien de tout ce oui. que je dis est-ce la solution qui te vient à l'esprit Dis-moi Odinaka, même la Bible le dit, tu ne laisseras point vivre la sorcière. Une femme qui ne veut pas avancer de la même manière que son mari est une sorcière et mérite d'être traitée comme telle. Est-ce que tu appelles ma femme une sorcière Tu oses traiter ma femme de sorcière Tu oses te tenir devant moi et traiter ma femme de sorcière en euh... ma présence Odinaka, si tout ce que je dis ne te plaît pas et que tu sens le besoin de me gifler, gifle-moi. Ne t'inquiète pas, tu as ma parole, je ne vais pas réagir. Je suis ton ami. Je suis là pour te donner de bons conseils. Divorce de cette femme et fais ta vie avec la mère de ton fils. C'est l'unique solution de ce désastre. Tu n'iras nulle part, Rosendo. Tu es ici. Pour rester ici même. Ici, c'est le chez-toi. Maman. Peut-être je dois juste partir. Aïe, ne sois pas maman. stupide. Maman. Tu n'es pas seulement la femme du prince, mais la mère de son seul et unique enfant. Est-ce que tu veux jeter tout cela aux sorties Mais, mais pourquoi Pour la stupidité de ta soeur Maman, c'est pour ça que tu m'as... Et compris. je te frapperai encore si tu ne commences pas à réfléchir comme une femme adulte. Si tu laisses cette maison, où iras-tu Chez moi ah, N'essaye même pas de penser à ça, parce que tu n'es plus de cette famille, plus jamais. <laughs> Maman, comment peux-tu me dire ça Qu'est-ce qui te fait croire que, que la famille royale va juste s'asseoir là et te regarder amener le petit-fils loin d'ici <laughs> Que dois-je faire? Que dois-je faire? Hein? Défends ta position. Dresse-toi contre ta cinglée de sœur. Prends contrôle de la situation. Et si tu laisses qui que ce soit te chasser de cette maison? Sache que tu es la plus grande imbécile de cette planète. Ah ah, maman, tu t'en vas? Oui, je m'en vais. Et si tu laisses n'importe qui te marcher encore dessus dans cette maison, je reviendrai ici pour te taper. Je ne sais pas pour quelle raison Dieu a décidé de rendre mes deux filles euh, stupides en ce moment. Maman Pourquoi Je suis désolée. Tu es désolée Pourquoi dis-tu cela Oh, je n'en peux plus. La belle en moi est partie. Crois-moi, personne ne regrette ce que j'ai fait plus que moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Je veux juste que tu trouves la place dans ton cœur pour me pardonner. Quoi Si tu veux que je m'excuse auprès de tes parents, je le ferai. Si tu veux que je me mette devant les gens pour m'excuser auprès du peuple, je le ferai. Je veux juste que tu me pardonnes. Akuido, à, à quel jeu joues-tu cette fois C'est le jeu d'une autre tentative ou quoi Crois-moi, mon amour. Avoir été si près de la mort m'a fait réaliser à quel point j'ai été égoïste. Comment j'ai mis ta vie sans dessus-dessous. Et je l'ai même rendue plus horrible. Je suis désolée. Je suis impressionné. Je t'assure. Mais je te promets de faire des efforts pour que tu vois que... Je mettrai Ozondo et son fils à l'aise ici. Je sais que tu es surpris. Mais c'est ce que je veux. Je veux que tu sois heureux. Je ne veux plus de querelles. Je veux juste un foyer paisible. Je t'en prie. Pour la troisième fois de la journée. Je suis vraiment sans voix. Ça, c'est étrange. Vraiment très étrange. Et si je dois donner mon avis, je dirais que je n'aime pas ça du tout. Mère, pourquoi dis-tu cela Je te l'ai dit plus tôt, elle est venue vers moi, elle s'est agenouée et m'a demandé pardon. Ça ne veut rien dire du tout. Cette femme est étrange et on ne doit pas lui faire confiance. Odinaka, ta mère a raison. Moi non plus, je n'aime pas ça. Pourquoi a-t-elle soudainement changé Lui as-tu demandé Oui, père, je l'ai fait. Tout ce qu'elle veut, c'est la paix. Juste comme ça Oui, c'est ça. Odinaka, pourquoi refuses-tu de voir une chose qui saute clairement à l'œil Pourquoi Oui, mère, je vois clair. Et ce que je vois, c'est que ma femme à changer de vie. Oui. Tout ce qu'elle veut c'est la paix. Pourquoi ne pas accepter cela et accepter la paix qu'elle veut Ça ce n'est même pas possible. Non. Bien que le changement soit une chose constante dans la vie, les gens ne changent pas comme ça, non. Mm -hmm. Pas de cette façon. Il y a quelque chose qui n'est vraiment pas très clair et euh, moi au quatelé. Je ne serai le jouet de personne. Retiens cela. Père, j'arrive pas à y croire. Pourquoi dis-tu cela? Je veux dire, pourquoi ne t'es tu les choses aussi mal alors qu'elles sont si simples? Simple, je dis. Tu appelles cela des choses simples? Écoute-moi, mon fils. Tu dois faire attention. Fais vraiment très attention. En fait, nous devons tous faire attention. Exactement. Tu ne vois pas du tout ce que nous nous voyons. Personne dans ce palais ne lui confiera le prince héritier. Personne ne fera cette erreur. Pourquoi Pourquoi ne me confierait-on pas mon neveu, le fils de l'homme que j'aime Assois-toi. Mon roi. Ma reine, s'il vous plaît, je suis désolée. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait. Vous faites partie de ma famille. Je vous supplie de ne pas me rejeter à cause des choses stupides que j'ai faites. Pardon, je suis vraiment désolée. S'il vous plaît. Tu peux te relever. Euh, ça veut dire que je suis pardonnée. Aurais-tu préféré que ce ne soit pas le cas ah, euh, Non, ma reine. Merci infiniment, mon roi. Je vous remercie, ma reine. Euh, mon amour. Que veux-tu euh, Il y a quelque chose que je voudrais que tu fasses pour moi dans la chambre. S'il te plaît, peux-tu venir avec moi Bien sûr, bien sûr. Ok, d'accord. Merci encore, mon roi. Merci, euh, ma reine. Excusez-moi. Je n'ai pas confiance. Hum. Euh, bébé, s'il te plaît. Bien maintenant. Pourquoi Je ne suis pas d'humeur. Vraiment Mon amour. Mais ce n'est pas. Écoute. Tout ce que je veux, c'est que tu te reposes. Je veux vraiment que tu te reposes. Je veux dire, tu. tu, tu, tu sais que tu prends les médicaments très puissants et dosés. Et, et le docteur t'a conseillé le repos. Mais je suis forte. Je suis assez forte. Je sais. Je sais que tu es forte. Mais je veux que tu te reposes. Je ne vais aller nulle part. Je reste encore ici. Ok? Donc, couche-toi. Allez, allez, vas-y. Allez, allez, vas-y. Écoute, écoute, Odinaka. Écoute-moi très bien. Je dis écoute-moi attentivement. C'est un piège. Un très gros piège. C'est le plus grand piège qu'une femme tendrait à un homme. Tu dois faire très attention. Écoute, Odinaka, j'ai juste une seule chose à te dire. Fuis. Fuis. Fuis, oh. Cours aussi vite que tu peux le faire. Écoute, cette femme est très puissante. Très, très puissante. Écoute, on dit souvent qu'une chose doit tuer un homme. Ne permets pas que cette femme te tue. Écoute, tu dois fuir. Cette femme est très habile dans la manipulation. C'est à quoi d'eau Fuyo hein? Hein? Je t'ai conseillé. Ne dis pas après que je ne t'ai rien dit. Alors, que veux-tu manger oh. Allons, Ozondo, ne me regarde pas comme ça. Je n'ai rien dit de si étonnant, pas vrai Je viens en paix. <laughs> en paix Eh bien, ma sœur, il y a plusieurs catégories de paix. Ozondo il s'agit de vraie paix. Je veux m'excuser pour tout ce que je t'ai dit. J'étais juste très énervée, et en colère. Je ne pensais pas ces choses. Ozundo, je suis désolée. Et j'ai besoin que tu me pardonnes, s'il te plaît. Ok, je je sais que c'est dur à croire. Mais je te promets que je ferai n'importe quoi. Pour te prouver que je ne te ferai pas de mal. Je t'aime, Ozondo. Tu es ma sœur. Tu es très importante pour moi. Et tu resteras toujours ma sœur. Je. Je sais que tu ne me fais pas assez confiance pour te faire à manger, donc je vais juste y aller. Mais réfléchis à tout ce que je t'ai dit. Je t'en prie. Comment est-ce possible? Come on. Ah, c'est mon bébé, chez ma princesse. Où vas-tu avec le bébé La princesse stérilise ses biberons et elle m'a demandé de l'aider à le baigner. Ah, Wando, pourquoi ne m'a-t-elle pas demandé de l'aider C'est pas grave. Allez, donne-moi le bébé. Je vais le baigner. Va faire tes tâches domestiques. Mais ma princesse, ce n'est pas votre job. Depuis quand est devenu un crime de baigner mon propre neveu hein? T'en fais pas, c'est bon. Donne-moi le bébé. Tu peux y aller, ok Ok. Oh, il est déjà endormi. <laughs> Mais qu'est-ce que tu fais Donne-moi mon bébé. Donne-moi mon bébé. Non non Lâche-le C'est mon bébé À l'aide Venez vite Que Quelqu'un m'aide Au secours ah. Mon bébé ah. Ah. Hein? Oh mon Dieu Oh mon Dieu Chérie Chérie Oh mon Dieu Qu'est-ce qui se passe Akuedo doit partir. Quoi Akuedo doit partir de ce palais. Qu'est-ce qui se passe Oh mon Dieu elle a failli tuer le prince héritier. Elle a failli tuer le bébé. Notre petit-fils. Ce n'était qu'un rêve. Ou encore un, ca un cauchemar. C'était royal. Je sais ce que j'ai vu. Elle a failli étrangler le bébé. Elle doit partir. Elle doit partir. Ok, tu dois non. juste te calmer. Tu sais, ce n'était qu'un rêve. Alors rends toi Et le matin, nous allons. Gérer cette situation calmement. Mon roi, s'il te plaît, je ne peux même plus dormir. Hein? Je ne peux plus fermer les yeux. Elle doit partir. Non, elle doit partir. Hey, elle doit partir. Mais, mère, si Akuedo a réussi à me faire dormir avec elle cette nuit, comment crois-tu que cela arrivera? T'es un homme sage. Et c'est pour cette raison que nous avons cette conversation. Mais ce n'était qu'un rêve. Dis-lui que ce n'était juste qu'un rêve. Elle va tenter de lui ôter la vie. Le rêve avait l'air tellement réel. Je vais garder un œil sur elle. Je te le promets. Es-tu satisfaite maintenant? Odinaka. C'est très sérieux. Lolo, nous allons tous garder un œil sur elle. Hmm? C'est exactement ce que je voulais entendre. Es-tu es rassuré maintenant Bonne nuit, mère. Va te coucher. Bonne nuit, père. Va te Bonne coucher, père. Va te Bonne coucher. prends soin de toi, hein Allez, allons-nous coucher. <laughs> Allez, viens. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Hmm? Tu ne dois surtout pas t'inquiéter. Nous allons veiller sur le bébé. Ah, chez Wando, ma princesse. Dis-moi, où est ma soeur? Elle est à la cuisine, ma princesse. Oh, elle doit être très occupée à la cuisine. Pourquoi ne me laisses-tu pas le bébé pour aller l'aider à la cuisine Euh, um, elle a um, dit C'est bon. Tu peux laisser le bébé avec moi. Va aider ma sœur à la cuisine. Je m'en occupe. Ah, d'accord. Um, non, 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 non. C'est bon. Pose-le sur la chaise. Il sera plus confortable sur la chaise. Ok. Mon fils est sorti. Sa femme est à la cuisine. Et toi, t'es là toute seule. Alors, qui est avec le bébé Il est avec la princesse Akudo, ma reine. Princesse qui Qu Quoi ma trière. Comment oses-tu Comment oses-tu, prière Comment oses-tu vouloir tuer mon petit fils Non, je, je, ce n'est pas ce que vous croyez. J'essayais je, juste de le faire dormir définitivement, n'est-ce pas Garde Arrête Ma reine, prière je... tu vas la fermer. Garde Princesse, oui, ma princesse. Reste loin de cette fille. C'est une meurtrière! Elle était sur le point de tuer ton fils. Quoi Non, Osondo. Non, 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 Tu dois me croire. Je, je n'ai rien fait. Je, je n'ai rien fait. J'essayais je, juste de le faire dormir, le bébé, elle ment. Tu vas te taire. Même l'oreiller avec lequel elle voulait tuer l'enfant est encore là. Pourquoi est-ce qu'elle ment Oh mon Dieu Mais Pourquoi est-ce qu'elle ment Je n'ai pas voulu tuer ton bébé, je n'ai rien fait. Je te le jure, Garde. je n'ai rien fait. Amenez-la loi d'ici. Je te jure que je n'ai rien la fait. Amenez-la loi d'ici et appelez la police. Père, elle m'a tout expliqué. Elle m'a raconté tout ce qui s'est passé, toute l'histoire. Elle essayait juste de mettre le bébé endormi à l'aise avec un oreiller. Je pense simplement que mère est en train de rendre cette histoire hors de proportion. Odinaka, je ne veux vraiment pas me disputer avec toi sur ce sujet. Elle doit partir. Oui. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, ma décision est justifiée. Ne t'inquiète pas. Père, ne penses-tu pas que tu juges cette affaire durement C'est sa parole contre celle de ma mère. Vraiment Oui. Mon fils, crois-tu vraiment que ta mère peut mentir par rapport à ce sujet? Qu'elle pourrait aller aussi loin juste pour faire partir Akwedo de ce palais? C'est ce que tu penses? Écoute-moi bien. Réfléchis. Prends ton temps et réfléchis avant de répondre à la prochaine question. Est-ce que tu penses vraiment que Aquedo n'est pas du tout capable de ce dont ta mère l'accuse Réfléchis avant de répondre à cette question. le studio de doublage d'aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais le français le shweli le lingala le haoussa le yoruba le hibo le tuï etc il vous propose également le service des événements directs des films des animations des documentaires et des séries des publicités radios et télévisées ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobing@aforevo.com, sur Instagram aforevodobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99, précédé du code. Plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Afourez-vous le guichet unique pour tout divertissement.